une identité propre. Il a des valeurs qui l'accompagnent, qui sont six valeurs auxquelles nous tenons absolument. Et qui sont des valeurs incontournables que nous souhaitons partager avec tous nos partenaires. Et j'allais dire tous nos clients, actuels et futurs. D'abord l'authenticité. L'authenticité ne veut pas dire la vérité, ne veut pas dire l'honnêteté. Mais l'authenticité, c'est savoir qui on est et savoir l'assumer et savoir qu'on ne peut pas forcément tout faire, mais essayer de le faire le plus justement possible, de l'assumer le mieux possible. On cherche aussi à révéler l'authenticité des personnes qui travaillent avec nous et que nous cherchons à mettre en contact. C'est parce que l'on est authentique que l'on a une ouverture réelle envers les gens. Donc à partir de là, on peut effectivement rentrer en contact avec l'autre, le découvrir, l'apprécier et le révéler. La troisième valeur est celle de l'engagement. Nous devons, non seulement en tant que programme de mobilisation solidaire qui se veut pérenne par les projets qu'il soutient, nous devons de nous engager envers les collaborateurs, enfin envers les talents que nous révélons, comme l'entreprise elle-même s'engage à soutenir et à aider ses collaborateurs, ses parrains de projet, dans le déploiement ou dans le développement qu'ils vont donner à leur projet. Donc la notion d'engagement est une notion qui est très importante et qui est le pivot de l'ensemble de nos valeurs. La quatrième valeur est celle de l'audace. La cinquième, c'est l'optimisme. L'audace, ça permet d'oser là où les autres n'osent pas. On se donne le droit de faire des choses que les autres ne font pas parce que c'est en bousculant également ses idées, en ne subissant pas, j'allais dire, le poids de ce monde qui bouge, en se disant, oh là là, tout va mal, mais en étant dans quelque chose de positif et en cherchant des solutions et en osant. Je crois que si on parle d'entrepreneurship, là, on peut effectivement continuer à créer. Et donc, voilà, on rebondit sur notre dernière valeur et non des moindres, qui est la créativité. Je pense que c'est en osant qu'on devient encore plus créatif. C'est en osant aller à la rencontre de l'autre qu'on a des idées. C'est en osant effectivement soutenir des projets que l'on peut voir si on a la possibilité de croire à quelque chose de différent et non pas en se disant que voilà, tout est figé et que les autres décident pour nous.